Je suis athée. Je suis positive. Je suis charmante. Je suis amicale. Je suis compréhensive. Je suis à l'écoute. Je suis fidèle. Je suis docile. Je suis indomptable. Ce tableau fait partie de l'exposition 2013 des lauréats de l'UQAM. Pour la troisième année, la Maison des Arts présente donc des talents émergents. Alors, parmi les participants à découvrir cette année, Fanny Latreille-Beaumont, qui a reçu le prix d'excellence Omer Dessert, Debbie Talbot, bourse d'excellence de la Fondation Maccabi pour la peinture, Émilie Bernard, bourse d'excellence de la Fondation Maccabi aussi, mais pour la sculpture, Laurence Bellin, bourse d'excellence de la Fondation Maccabi pour les arts d'impression. Aussi, Stéphanie Garofalo, qui reçoit la bourse d'excellence pour les arts médiatiques. Catherine José Gervais, bourse Hubert Rousseau. Jean-Pascal Belmar, bourse Autodesk. Marianne Blondeau d'Amour, prix de soutien aux jeunes créateurs de Faux-Cadre Canal. On peut parler d'un début de tradition puisque c'est la troisième année que nous présentons les lauréats de l'UQAM. Il y a beaucoup à découvrir cette année. Comme il s'agit de la Faculté des Arts, cette année on a aussi un petit accent sur les sons et la vidéo. Alors, donc de la Faculté de musique, ça vaut la peine de venir écouter ce qui se dit sur les trames sonores. Alors, bienvenue à la Maison des Arts et bienvenue à cette exposition 2013. Chaque année, depuis 3 ans, comme vous l'a expliqué mon collègue d'ailleurs, on fait l'exposition avec les finissants de l'Université du Québec à Montréal, mais aussi on en profite pour mousser nos artistes locaux et on fait une exposition satellite. Alors vous aurez l'occasion de voir ici une quarantaine d'œuvres qui vont des choses extrêmement modernes, à l'uchromie, c'est-à-dire impression sur métal, graphisme, et finalement huile acrylique, et c'est une très belle exposition que nous vous invitons à venir visiter à la Maison des Arts et de la Culture à Saint-Faustin. À très bientôt, plaisir de vous voir.